Yo tout le monde, c'est Cyprien Laser. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay sur Rayman Jungle Run. Alors, Rayman Jungle Run, c'est un jeu que vous connaissez sûrement, que vous avez dû forcément voir sur le Play Store. C'est un très bon jeu, donc c'est pour ça que je ferai un gameplay dessus. Alors, déjà mes plays, hein. Vous voyez qu'il y a plusieurs mondes: sauter, voler, courir sur les murs, coup de poing, méli-mélo, bateau pirate et plante géante. D'ailleurs, je ferai quelques niveaux sur plante géante. Ok, c'est parti. On va faire le monde sauter et faire un gameplay du premier niveau pour vous montrer un peu ce qu'il faut faire. Alors, vous avez Rayman, il court tout seul. Déjà, c'est important de savoir. Le but, c'est d'attraper le plus de lance possible. Quand je dis s'il faut faire, ça a l'air de faire pitié. Mais quand vous allez jouer, vous allez plus dire la même chose. Hein. Franchement, ce jeu, ils l'ont vraiment réussi. Ils l'ont réussi comme Rayman Origins, comme Rayman Legend. Et d'ailleurs, ils l'ont même réussi sur smartphone. Ils ont fait la version abrégée, mais franchement... ils ont réussi, hein. Franchement, ils sont vraiment pas ratés. Le jeu est vraiment fun. Par contre, j'ai vraiment pas mis de son là, excusez-moi. Voilà, là, vous allez mieux écouter. Vous voyez ces bruits chelous là. Franchement, c'est marrant. Vraiment, vous éclatez. Quand vous êtes par exemple dans le bus ou quand vous êtes dans le train, quand vous êtes au chiottes par exemple, et vous jouez à Rayman Jungle Run, vous avez même plus envie de bouger des toilettes. Hein. Moi j'ai jamais fait, mais voilà quoi. J'imagine. Franchement, le jeu il est incroyable. Ça lag pas du tout. Franchement, waouh. Et vu que ma prochaine vidéo ça sera comment avoir des jeux gratuits sur Android et que vous réussissez à l'avoir, j'espère que sur votre téléphone ça lagera pas. Hein. Parce que je trouve ça vraiment dommage que sur un téléphone ce jeu lag. Encore si ça lag un tout petit peu, c'est bon, tranquille, c'est pas très grave. Mais si ça lag vraiment beaucoup, c'est que vous avez pas de chance. Alors, le gameplay rapide, c'est... voilà. Vous avez pu le voir. Hein. Alors, mes points négatifs sur ce jeu, franchement, c'est que parfois... vous avez envie de retourner en arrière, mais vous ne pouvez pas dans ce jeu. C'est le seul truc que je trouve que je trouve dommage. Après, perso, il n'y a aucun truc que je trouve nul dans ce jeu. Je connais aucun point négatif dans ce jeu, tellement il est bien. Alors, j'ai essayé de faire un truc. J'ai essayé d'avoir tous les lumps pour vous montrer un truc dans ce jeu en fait. Alors j'essaie de tous les avoir, oui. Là. Je me concentre. Oh merde, oh putain, non. Pas ça. Bon bah je les ai pas tous, hein. Malheureusement. Ok. On va faire plus simple. Alors déjà, dans ce jeu, je vais vous montrer un truc aussi. Il y a la possibilité d'acheter deux costumes de Rayman et d'acheter Glowbox. Et malheureusement, c'est payant. Donc, aussi ici, plus vous avez des lumps, plus vous avez des fonds d'écran. Maintenant, je vais aller dans l'option, je vais changer de partie. Cool. Allez. Sauter, je vais vous montrer un truc.
c'est tous les avoir. Voilà. Oh merde, oh putain, c'est pas possible. Comme par hasard, quand je vais vous le montrer, je n'y arrive pas. Bon, je vais vous le dire tout simplement. En fait, dans un niveau, quand vous avez 100 lumps, ah zut, quand vous avez 100 lumps, à la fin, vous savez, plus vous avez des lumps, vous savez, dans le rond, dans la spirale, il y a des rubis. Et à la fin, quand vous avez tous les lumps, oh zut, quand vous avez tous les lumps, et ben vous avez le gros rubis au milieu. En fait, ça c'est une dent d'un faucheur en fait. Et si vous avez 5 dents dans le monde sauté, dans n'importe quel monde, et ben il vous ouvre un niveau secret. Au niveau de la mort, franchement c'est hyper dur. J'ai dû recommencer plus de 30 fois pour essayer de réussir. Pour le réussir. Franchement c'est hyper dur. Donc voilà. La dent. Oh, la première dent de la mort. Et quand vous en avez 5, vous avez une dent. Enfin vous avez la possibilité d'avoir le niveau. Mais malheureusement, puisque je venais de le craquer aujourd'hui, j'ai pas pu vous montrer le niveau. Désolé. Maintenant je vais vous montrer le truc dans Plante géante. Franchement ce niveau, enfin ce monde, franchement il m'a fait kiffer. Alors quand vous voyez ça, vous vous dites ça a presque rien à voir avec Plante géante, vous avez un gros monstre et tout ça. Mais franchement il n'y a rien d'intéressant en fait, c'est le truc le plus pourri, en plus une mytho. En fait ça c'est un petit préparatif en fait. Zut, frappe. C'est un petit préparatif, bon je vais pas tout faire. Bon lève-toi. Voilà le niveau. Franchement il est hyper dur. Si je réussis dans un seul coup, c'est fou, je suis content. Ah franchement. Je pense que même ma petite soeur elle voudra pas jouer dessus. Ah ouais, ça va faire hyper flipper. Non, 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 non. Oh, merde, voilà, j'ai perdu. Bon, bah, j'ai voulu vous montrer un peu le monde. Le monde de Plante géante. C'est juste pour vous montrer à quoi ça a l'air. Après, bateau pirate, il n'y a rien d'intéressant. Sauter, voler. Le voler, casser les murs, coupant. Enfin, voilà. Un petit aperçu de du jeu, franchement il est très très bon, craquez-le. Je vous montrerai comment faire dans ma prochaine vidéo, franchement il est excellent. Bon bah j'ai fini ma vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et mettez un commentaire si ça vous a pas plu ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Cyprien Laser, ciao.